Je présente Nicole Tapier de Céléran, une des nombreuses nièces de Lautrec. Donc, je vous invite tous à découvrir ou redécouvrir Lautrec dans son cadre essentiellement familial et pas simplement enfantin, puisqu'il est revenu aux Vosges jusqu'à la fin de sa vie en 1900. Le château du Bosc est situé dans l'Aveyron, près de Nocelles. Il a d'abord été une forteresse médiévale érigée à partir du XIIe siècle par les lointains ancêtres paternels d'Henri de Toulouse-Lautrec. Témoin de cette époque, les tours d'angle subsistent. Mais au fil du temps, le château fort a subi des transformations jusqu'à devenir, au XVIe siècle, une résidence nobiliaire offrant un agréable point de vue sur la vallée du Viaur. Les bâtiments annexes y occupent une grande surface, notamment les écuries. On a toujours eu la passion des chevaux dans cette famille très catholique, qui, au XIXe siècle, a aussi fait construire une chapelle dans le jardin. Aujourd'hui encore, le château du Bosc nous présente un décor semblable à celui dans lequel Henri a grandi. La richesse du mobilier, les tapisseries d'Aubusson et les porcelaines de grande qualité. C'est dans cette demeure aristocratique que le jeune Henri va vivre une grande partie de sa jeunesse, entouré de ses proches, ses parents, ses grands-mères qui sont sœurs, ses oncles, tantes et nombreux cousins. Henri est pour tous « joli bébé » ou encore en Languedoc « bébé loupoulite ». Il fait la fierté de ses parents. La comtesse Athems, petite cousine du peintre et auteur du livre « Notre oncle Lautrec », le décrit ainsi. C'est un robuste bébé, au teint très chaud, avec des yeux câlins couleur de châtaigne qui abondent sur ce rude plateau du Ségala. Ainsi, au hasard des pièces et des souvenirs accumulés, Nicole Tapier de Céléran, petite nièce du peintre et mémoire de la famille, nous retrace les journées du jeune Henri à l'époque où son caractère et sa personnalité se forment. Elle n'a pas connu le peintre, mais son récit passionné fourmille d'anecdotes. Mais évidemment, Lautrec, bien entendu, a joué dans le jardin, et puis surtout, il allait certainement galoper dans les prés, dans le bois, puisque le bois dit la gravasse. Il a demandé à ses parents de lui faire dessiner le bois de Boulogne en miniature. Et à cette époque-là, et jusqu'à la guerre de 1914, les allées en étaient sablées. Ça vous dit quel était le train non seulement de maison, mais de décor extérieur. La chambre du jeune Henri est parsemée de nombreux objets familiers qui nous permettent de deviner ses loisirs et nous parlent de l'éducation particulière qu'il reçut. Cette chambre a conservé quand même des souvenirs assez précis de Lautrec. Je prends par exemple, en face de nous, ce voilier. Ce voilier, Lautrec, qui avait 13-14 ans à l'époque, donc au printemps 1878, après sa première chute, son premier accident, avait confectionné ce bateau avec l'aide de son oncle Charles. Nous voyons son théâtre de Guignol, enfant très éveillé, plein d'esprit, et mon grand-père, cousin germain du peintre, Raoul Tapier de Céléran, disait toujours que c'était les adultes, plus que les enfants, qui venaient écouter les histoires imaginées par Lautrec. Ça dépassait totalement leur intelligence d'enfant. Sur le tapis, nous en verrons bien d'autres. Tout un échantillon de dessins fait par Lautrec. Vous voyez ces livres en anglais. Il y a deux raisons.
d'une part, cet amour, cette passion de la chasse, l'anglomanie de l'époque, et c'est ce qui explique que vous pouvez voir donc les couvertures de ces livres anglais. Un peu plus grand, c'est dans la bibliothèque qu'il étudie, en présence de sa mère, aidée par son précepteur. Avec un sujet comme Henri, ça devait être passionnant pour des éducateurs de voir cet enfant tellement éveillé, même s'il leur faisait bien des blagues, s'il n'écoutait pas toujours, mais il y avait une réaction qui devait beaucoup les encourager à former le jeune Henri. D'ailleurs, Henri, après adulte, eh bien, il a fréquenté les milieux littéraires, la Revue Blanche, et j'en passe. La journée d'Henri commence par la messe, dans l'oratoire du château, toujours accompagné par sa mère, alors que l'abbé Peyre, son chapelain et précepteur, officie. Lorsque ses cousins sont présents, les crises de fou rire ne sont pas rares. Dès 8 heures du matin, le petit déjeuner réunit toute la famille dans le grand salon. Mais alors il y avait en permanence du foie gras truffé. Et c'est certain qu'il y avait de toutes sortes d'aliments, de boissons. Ce n'était pas les jus d'orange de notre époque. Mais il faut penser, d'abord, ces messieurs, quand ils allaient à la chasse, avaient besoin quand même de réconfort. Et puis alors, ce que ces maisons qui n'étaient littéralement pas chauffées, et on avait terriblement besoin de se donner des calories. Même si on était beaucoup plus couvert que on l'est quelquefois à notre époque, c'était pas toujours évident. Il fallait essayer de compenser l'inconfort. Et si on ajoute la gourmandise de la famille, évidemment, vous pensez, c'était de véritables repas. Quand les hommes partent à la chasse, Henri descend parfois aux écuries malgré l'interdiction. Là, il parle aux chevaux, les flatte, mais ne peut s'empêcher de faire quelques bêtises, comme boire dans leur seau. Il est aussi attiré par le chenil et appelle tous les chiens par leur nom. Quelquefois même, il s'invite à leur repas et mange leur pain noir. Puisque les hommes sont à la chasse, le déjeuner se déroule assez rapidement. Henri est aussi un petit gourmand, qui aime aller dans la cuisine pour goûter les plats et les sauces. Ah mais d'ailleurs, dans la famille, on appelait Lautrec le cuisinier, et quand il était en vacances au bord, s'il n'était pas en train de crayonner, de caricaturer, on était bien sûr qu'il était à la cuisine, en train de mijoter de bons petits plats. L'été, c'est dans la fraîcheur de l'orangerie qu'Henri fait une petite sieste. Enfant dynamique et enjoué, il entraîne ensuite ses cousins dans le jardin du château, particulièrement propice aux jeux enfantins. C'est lui le chef de bande. C'était l'époque des jardins extrêmement touffus, avec beaucoup de petits massifs. Tout cela était impeccablement tenu. Mais c'était très touffu. Quand vous étiez à peu près ici, les photos le montrent, c'est à peine si on voyait la chapelle. Tous les jours, Henri fait une promenade en voiture dans le parc où, très tôt, son père lui apprend à monter à cheval. Activité qui devient très vite un grand plaisir. À la veillée, enfants et adultes sont réunis autour des lampes à huile. C'est devant la cheminée Renaissance décorée aux armes de la famille qu'est né son tout jeune talent. Donc, nous avons en face de nous les armoiries des Dimbert du Bord, les fondateurs du château et les ancêtres communs aux Toulouse-Lautrec et aux tapiers de Céléran. L'histoire nous raconte que le petit Lautrec, tout enfant, le soir à la veillée, se couchait à plat ventre sur le tapis du salon et il s'appliquait bien pour réussir son dessin
tout autant les dessins de son père et de ses oncles, fort artistes, qui, après une journée de chasse, ont dessiné les principaux épisodes. Et naturellement, le petit Lautrec voulait faire aussi bien que les grandes personnes. Et quand on voulait l'emmener au lit, si on lui enlevait ses crayons, il ne se tenait pas pour battu, et il allait chercher dans la cheminée des charbons de bois pour continuer à crayonner. L'oncle Charles lui trouve l'étincelle crayonneuse. Il fait un peu d'aquarelle, croque des chiens, des chevaux, et à 7 ans, il dessine un sanglier pour sa marraine. Depuis l'âge de 10 ans, Henri est de santé fragile. Il souffre d'une déficience osseuse. Les cures et bains de mer que lui impose sa mère n'ont que peu d'effet. C'est très change. Ils se durcissent. Il a maintenant une grosse tête et des lèvres lipues. Deux chutes malencontreuses vont décider de son avenir. Il s'accroche les jambes, il glisse sur le parquet et se fracture le fémur gauche. Et l'année suivante, il se trouvait avec sa mère aux eaux de Barèges dans les Pyrénées et cette fois-là, il a glissé sur un sentier de pierre sèche. À la suite des deux accidents, le buste un peu grandi, guère les jambes, ce qui explique la disproportion dans la silhouette du peintre adulte. Et comble de malchance, la mode masculine de l'époque, ses longues redingotes, faisaient paraître ses jambes plus courtes qu'elles l'étaient. Ce n'est ni la chute de cheval qu'on s'obstine à répéter, ni la chute dans l'escalier. Chez Lautrec, il y a eu deux causes. La consanguinité d'une part et une maladie osseuse qu'à son époque, on ne savait ni déceler ni soigner. Sa convalescence traîne en longueur. Il réapprend à marcher avec des béquilles, mais il ne grandira plus. Il ne dépassera jamais 1,52 m. Lui qui vivait au grand air est maintenant obligé de garder la chambre. Allongé sur son lit, au salon, dans sa chaise longue, entouré de femmes. Il passe son temps à dessiner et peindre, avec frénésie et courage. Il couvre ses cahiers d'écoliers de chevaux, de chiens et de personnages de son entourage qui veulent bien lui servir de modèle. Lors de ses séjours parisiens, il tire peu de satisfaction de ses études et décide alors de se consacrer à la peinture. Son talent artistique s'affirme de plus en plus. La comtesse Adèle, ne voulant que son bonheur, l'encourage dans cette voie. Dès 1881, sur les conseils d'un ami de son père, le peintre Prince Thau, il décide de rejoindre un atelier parisien. Très attaché à sa famille, il reviendra régulièrement au château du Bosc, se plonger dans un bain de tendresse, au milieu des souvenirs d'une jeunesse agréable. C'est bien là, au château du Bosc, entouré des siens, que sa vocation est née.